quand on entend le mot morale, tout de suite on peut se dire des règles strictes qui ne bougent pas. La question est de savoir d'où est-ce que s'inspirent ces règles. Alors on verra bien sûr que ce ne sont pas des règles strictes qui ne bougent pas, ou en tout cas il y a quelque chose de beaucoup plus grand qu'un simple aspect légaliste. Je me présente, le père Henri Schex. Je suis prêtre depuis 3 ans, j'ai été ordonné en 2018. J'ai fait une licence canonique en théologie morale. Ce qui va me donner la joie de donner ce cours sur la Bible et la morale, les liens entre la Bible et la morale. Nous allons voir en quoi la Bible est le fondement de la morale, puisque en effet ce n'est pas seulement quelque chose qui est choisi, qui est fait par les hommes, mais la morale fait bien partie de la révélation. Bon, et très concrètement, nous allons pouvoir travailler le texte de la commission biblique pontificale qui a posé quelques bases pour pouvoir avoir une saine et une bonne utilisation de la Bible pour la morale. Nous aurons aussi l'occasion d'étudier quelques auteurs qui seront des clés de référence pour la théologie morale. Dans ce cycle de 3 séances, la première séance aura lieu le jeudi. Cycle d'introduction qui va permettre à tous, voilà, qui que vous soyez, étudiants, jeunes pros, jeunes adultes, jeunes retraités, voilà, vous qui êtes intéressés par découvrir un petit peu plus sur ces liens entre la Bible et la morale, aucune connaissance préalable, donc je vous attends tous avec joie. Et bien c'est très simple, il suffit d'aller sur le site de l'Institut Péberlan. Pour vous inscrire, il y a 2 manières de pouvoir participer à le cours. La première, ça sera de venir physiquement. Et puis le cours est aussi enregistré, vous pouvez le suivre online. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter la bienvenue à ce cours le 18 novembre. Je vous attends avec une grande joie. Bienvenue à tous.